Ah oui? Tu vas manger ta toast? Hey! Avale ton lait! Avale ton lait! C'est super triste. Chez la voisine, il y avait déjà eu un bris là, de petits morceaux de toit là. Puis il y avait un oiseau qui avait commencé à se faire un nid. Mais là, ils l'ont réparé hier parce qu'on s'entend qu'avec le vent, ça l'a arraché. Là, la maman, elle revient avec des bouts de paille parce qu'elle veut continuer son nid. Ou je sais pas s'il y avait des œufs qu'elle avait pas. Mais là, elle peut plus y aller. Fait que là, je la vois arriver avec des petites brindilles, puis elle peut plus rien faire. C'est super triste. Ça, c'est le bruit du bonheur le dimanche matin. Coucou! Coucou! Tu me suis sérieux? Ok, on est en route. Il est 10h et à peu près 10h30. 10h40. 10h40, excusez pas. On ouvre le tour grand parce qu'il fait beau. Puis là, on s'en va faire des petites commissions parce que hier, j'ai pas été là de la journée. Le petit monsieur ici il a travaillé beaucoup sur le terrain. Fait que là, on s'en va chercher une table chez des amis. On s'en va au Costco, à la fruiterie. Puis à côté de la fruiterie, il y a l'aubainerie. Puis, fait qu'on va aller acheter un chapeau pour Zachary. Parce que je me suis rendu compte que les chapeaux qu'on a sont trop petits. Puis là, il commence à faire soleil. Fait qu'on veut le protéger. Fait qu'on va aller chercher ça. Puis c'est pas mal ça. En fond de ça, on va revenir puis profiter du soleil, relaxer aussi. Parce qu'il fait beau, on aime ça! Les avions! Hey! Qu'est-ce que tu fais? Que tu es assis au milieu? Qu'est-ce que tu fais, mon amour? On est dehors! Hey, non, non, mange pas de la terre! Non, non, non! Mange pas ça! Non, non, non! Oh, petit coco! Non, on mange pas de la terre! Je vais essayer de montrer un petit peu, on le voit bien sur ses cuisses, c'est quoi le pied main bouche. Ça fait plein de picots comme ça. C'est, ça a l'air pas si pire à la caméra, mais sa peau est vraiment raboteuse. Petit coco. On vient du Costco, je vais vous montrer vite ce qu'on a acheté. On a acheté de la viande hachée, on a acheté du yogourt grec 0%, du fromage, du prosciutto, lait, œufs, des petits pains pour faire d'enfants des muffins anglais. Deux petits pyjamas que je vais donner à mon ami comme cadeau. Un ananas, les lanières de poulet, comme ça on les aime vraiment beaucoup. Là. C'est vraiment un bon dépanneur. Yogourt Activia. Mon ami m'a demandé d'y acheter un nettoyeur pour ses électros. Ah oui! On a acheté des tortillas. Les gaviscons étant spécial. Fait que ça, ben pratique. Puis, des bartons. C'est pas mal ça. Pour le Costco. À la fruiterie, on a acheté des épinards, bananes, des poires, carottes, des asperges, des piments de toutes les couleurs, des clémentines. Puis Zach a déjà pris une croquée dans une clémentine. Ah oui! Des kiwis. Deux cocombes. On va ici. Fraises. Des framboises. On a deux copes de fraises. Des mûres. Des bleuets. Comme ça. Du brocoli avec oignon vert. Ah oui! Un cantaloup. Des avocats. Des petites fèves. Ah, tiens, d'autres murs. Fait que ça ressemble à ça pour la fruiterie. Fait que vous voyez, pour tout ça. Ah non, attends, il y a quelque chose de plus. Ah, deux petits. Des zucchini blancs. Fait que, ouais, le fromage. Moi, je vais descendre en bas. Ouais, ça, c'est tout à descendre. Dans le fond, à part ça, je vais le garder en haut, je vais le rationner. Puis, attends, ça aussi, petit cadre de l'année. T'es bon. Ouais! T'as-tu besoin de moi? Non, je suis bon.
Fait que c'est pas mal ça pour à la fruiterie pour tout ça. Ça a coûté 39$. Fait que c'est sûr que juste en fruits, on en a à peu près pour 15$. Mais on a des fruits et des légumes pour au moins 7 à 10 jours. Toi, tu veux-tu manger des framboises? Veux-tu des framboises? T'as pas de lasso? Je pense qu'il est fatigué. Puis on s'est rendu compte un matin en sortant dehors que Zach, il n'y avait pas de chapeau à sa grandeur. Fait qu'on est allé. Il y a un loubenerie à côté de la fruiterie 440. Fait qu'on est allé chercher une petite casquette. Comme ça. C'est-tu? Okay. On y a trouvé. Les petits chapeaux comme ça, ils étaient 2 pour 12$. Fait que c'est vraiment pratique parce que quand t'en as un qui est mouillé, ben tu peux mettre l'autre. Fait qu'on a trouvé lui avec les cactus, il est vraiment trop cute. Puis un petit peu plus neutre. Comme ça. Là, il est déjà sale parce qu'on lui a donné une banane dans l'auto, puis il l'a déjà sali. Que c'est nos petits achats d'aujourd'hui. Je m'en vais ranger tout ça. Puis donner du lait à lui. Puis il va faire dodo parce que il est presque 2h. Puis il n'a pas dormi encore. Qu'est-ce que Zazu vient de faire? Chier. On travaillait dehors, puis on regardait dans le moniteur, puis on était comme pas certains. Zach, qui dormait, mais avec le dorant dans les fesses. Le dorant dans les fesses. Le dorant dans les airs. Puis on était comme, voyons, y a-tu une couche? Puis il y en a pas dans la chambre. Zach avait enlevé sa couche, pleine de caca. Il l'a lancé par-dessus la bassinette. Puis il y avait du caca partout dans le lit. Puis ça faisait longtemps qu'il avait fait son caca parce que il y en avait à grandeur sur lui et séché en plus. C'est fantastique. Fait que petit bonhomme prend son bain prématurément, même s'il est juste 5 heures. Parce que justement, c'était différent. Est-ce que t'aimes ça prendre ton bain, Zazu? Tu regardes les des cailloux? Mais oui! Bah oui! Ah oui? Tu veux aller dehors? Là, pour l'instant, il fait... Il est en chapeau! Après l'épisode de caca Oui, on prend une petite marche parce qu'on va manger une crème glacée. Parce que c'était de la mort! Ah, c'est le sens. Oh, derrière. Le sens. Pas juste au sens figuré, c'était au sens réel. Ouais. Fait qu'on a donné le bain à Zach. Fait que l'avantage, c'est qu'il y a une étape de passée pour ce soir. Puis on va manger le dessert avant le repas. Pas grave. À lui, il y a du dîner. C'est dimanche. Il y a du dîner à 2h. Coucou bébé! Zachary! Coucou! Ah oui, là-bas? Il y a des maisons? Il y a des maisons? Oui! Trop de crème glacée partout! C'est-tu fini? Vas-y! On est allé prendre une marche, Zachary. Tu joues avec ton établi? Qu'est-ce qu'il fait, papa? C'est curieux. Oh! T'as rentré les VHS. Ouais, je pensais que
sais pas ce qu'il y a dedans. Ouais, ça c'est vraiment drôle parce que, tu sais, quand t'achètes une maison, tu trouves des choses bizarres. Et ce qu'on a trouvé dans le petit chariot pour disperser le gazon, c'est tous des films enregistrés. Mais le parc jurassique, basket spatial, ne pas tuer les Charlie's Angels, mais tu sais, c'est tout comme des films enregistrés. Ah, tu veux que je me tape? D'accord. Mais tu sais, c'était dans un sac d'épicerie, fermé, salut, caché dans le fond du cabanon. D'après vous, on ouvre les paris. Qu'est-ce qu'il y a d'enregistré sur ces cassettes-là? Nous, on a un petit doute. Lâche le chat. Hey, pas la queue. Zachary. Bon, je suis rendu à la vaisselle. Après avoir donné à manger à un garçon, nettoyé les dégâts, parce que des pâtes et un bébé, ça fait des dégâts. Après avoir ramassé tout, qu'est-ce qu'il fallait que je ramasse à propos de Zach, j'ai donné son médicament, j'ai donné son Advil, le biberon, je l'ai couché. Après ça, descendre toutes les bouteilles et ramasser le linge à corde, parce que la première fois qu'on a le linge à corde, il est tout ramassé, tout plié, il reste juste à le serrer. J'ai pas arrêté depuis tantôt, depuis que Julie est partie. Et je suis dans la vaisselle. Pas là, là, mais je suis dans la vaisselle. Ce qui me rend un nouveau sens du mot amour. Parce que quand je passe d'ici, je m'assure que ça soit clean, beau, que ça soit propre. Mais tu sais ce que je vois pas quand que je travaille? Parce que je fais midi à 9. Julie, elle s'occupe de Zach, elle s'occupe des dodos. Elle s'occupe de faire le souper. Elle s'occupe de faire du meal prep. Elle s'occupe de faire le lavage en soirée quand que je suis pas là. Elle s'occupe de tout ça. En temps réel. Là, ça fait 2 jours que c'est moi qui m'en occupe. Et je suis exténué. Donc, mon amour, je t'aime. J'espère que t'as du fun avec tes amis. Puis j'ai hâte de te voir. Hein? Comme je ne fais jamais rien à moitié, comme je l'ai dit d'ailleurs, ben, j'ai décidé de me lancer dans une aventure très fun. Ça s'appelle couper les légumes. Ouh! Si tu veux, je veux pas que Julia fasse tout puis qu'elle se couche à minuit comme une folle. Ben, je la connais, elle va le faire. Fait que sur ça, à plus tard. Part 1 fait. On s'attaque au meal prep. Je suis fou! Là, je vais devenir fou. Ah. Sérieux? Je fais du savon. Je vais dans une paix. Je vais pouvoir préparer mon merveilleux plat avec du saumon, des asperges, des huîtres. Je suis fatigué. Je voulais vous dire que j'étais fatigué. Je suis fatigué. Bon, je rajoute la beurre. On se voit plus tard. Ceci est ce que ça devait ressembler. Ceci est ce que ça ressemble. Je vois. Bien sûr, enlever un petit peu des herbes, des fines herbes que j'ai rajoutées, parce qu'il y a l'air d'en avoir beaucoup trop. Je n'avais pas pensé à ça, mais ça a l'air délicieux. À plus tard! Donc, voici le résultat final. On a 6 beaux plats pour pouvoir bien manger cette semaine. Comme ça, Julien n'aura pas à faire du meal prep comme une folle. Mais je t'avoue que à 10h21, j'en ai plein en casse. Je la comprends d'être fatiguée.
quand j'arrive le soir. Sur ce, je vous laisse passer une bonne nuit tout le monde. Bye! Fait que j'en viens de mon souper, il est 10h45. Puis en arrivant, j'ai vu que Tommy avait fait les lunchs. Je m'étais dit que j'avais rien préparé. Fait que je vois qu'il a déjà tout préparé. Les petits plats de saumon avec une petite recette, il a coupé des crudités. Merci mon amour! Je suis pas fait de plats de fruits. Non, mais c'est pas grave, ça, on peut les prendre là-dedans. Fait que je suis pas mal contente. Moi, je m'étais dit qu'au pire, on allait manger du resto demain. Puis que j'allais faire la préparation de repas demain soir. Mais bon, ça a l'air que c'est déjà fait. Fait que là-dessus, je vais vous souhaiter de passer une belle soirée. Puis je m'en vais m'asseoir dans le salon avec Tommy. Bye!